ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam sur MT International. Lors de nos précédentes émissions, on avait abordé la question de la religion qui était celle de l'islam et des allégations qui étaient faites contre cette religion. Et on avait tenté de répondre à, en tout cas, certaines allégations qui sont faites compte tenu de l'actualité. Et on avait déjà abordé le fait que ces critiques qui sont faites contre la religion qu'est l'islam se portent petit à petit vers la personne même du fondateur de l'islam qui est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent ce que l'on dit c'est qu'il alors il y a toujours ces rhétoriques de pouvoir qui reviennent, c'est-à-dire que l'on a tendance à dire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, na'ouzou billah, était quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a fait pour avoir le pouvoir. Mais on a déjà vu lors de précédentes émissions que c'était totalement faux, puisqu'il a déjà refusé à maintes et maintes reprises le pouvoir. Et justement, s'il le voulait tant que ça, eh bien aujourd'hui, on verrait dans l'islam que des groupes qui cherchent justement à avoir le pouvoir et à dominer les gens, ce qui est ce que certains téléspectateurs pourraient penser, que le fait que l'islam aujourd'hui tel qu'il est décrit et vu par les médias vise, n'a que cette visée-là, ce qui est totalement faux, puisque la majorité des musulmans sont plus dans une optique de revenir vers le véritable prophète, de revenir vers son caractère, revenir vers sa majesté. Et la communauté musulmane Ahmadiyya, par à travers son fondateur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadiane, qui nous a éclairé sur la véritable stature et la véritable majesté qui est du prophète de l'islam à travers les révélations qu'il a eues en tant que messie de l'islam, eh bien nous a permis de voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon sa vraie image, selon l'image qu'aujourd'hui tous les musulmans cherchent désespérément. Et c'est une partie de cette image que l'on va aujourd'hui partager avec vous, tout en répliquant à certaines personnes de mauvaises intentions sur les allégations qu'elles font sur le prophète de l'islam. Alors pour en parler avec nous avons deux membres, éminents membres et membres répétitifs de notre programme, qui sont d'abord Monsieur Nabil Ahmed Mirza Sahib. Assalamu alaikum. Alors pour vous présenter brièvement, peut-être vous avez fini vos études donc à l'Institut théologique de la communauté musulmane Ahmadiyya, et vous allez être prochainement affecté dans un des pays francophones, nous l'espérons. En tout cas, vous allez avoir vocation à travailler pour le monde francophone, Inch'Allah. Ensuite, nous avons Monsieur Ataoul Kayoum Saheb, qui est, assalamu alaikum, et pour le présenter rapidement, il est membre du bureau francophone à Londres. Alors, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet, on est déjà dans le vif du sujet constamment avec l'actualité, donc pourquoi tergiverser quand on peut justement suivre le flux? Est-ce que, et cette question je l'adresse à vous, Nabil Mirza Saheb, est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi, c'est un peu fort comme c'est le titre, c'est l'intitulé qui veut ça, une dictature à Médine, parce que certaines personnes ont une tendance quasi frénétique à distinguer, vous savez, on revoit souvent ça sur des forums maintenant, ils ont tendance à distinguer la période mécoise de la période médinoise. Alors ils disent que la période mécoise, ok, dans l'islam, la période mécoise, c'était plus ou moins bien. Vous vous êtes fait persécuter en quelque sorte, donc vous vous êtes tué, donc c'était bien. Mais quand on est arrivé dans une période médinoise, c'était la guerre. Alors ils voient ça comme une période de terreur où le prophète de l'islam, na'ouzou billah, il aurait établi une sorte de dictature où
personne n'avait de droit, alors que on avait vu cette charte de Médine dernièrement avec vous. Alors peut-être que vous pouvez nous apporter plus d'éléments en ce sens. Donc comme on parle de Médine, donc j'aimerais bien aussi revenir un peu à cette charte également. Donc quand les musulmans sont arrivés donc à Médine, il y avait deux groupes de gens qui étaient présents à Médine. Donc on avait les musulmans non arabes et les juifs. Quand les musulmans sont arrivés, donc on a eu trois groupes, les musulmans, les non arabes et les juifs. Donc dès son arrivée, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déclare qu'il est impératif de vivre tous ensemble. Donc il faut vivre en paix et en harmonie. Et donc ainsi il propose un traité de paix dans lequel il assure les biens, la protection de tous ces groupes. Et tous les coutumes tous leurs coutumes ils étaient respectés. Et ils avaient la liberté de choisir leur religion. Ils avaient la liberté et donc tous les gens qui étaient donc les juifs. Donc quand on parle de dictature, donc les juifs et les non-arabes musulmans et les arabes non-musulmans et les musulmans, il faut savoir qu'ils ont signé ce pacte et ils ont unanimement choisi le Saint-Prophète comme étant chef d'État. Donc la dictature, je ne sais pas d'où cette question est venue. C'était plutôt démocratique. Et il faut aussi, il faut savoir que c'est peut-être la première constitution qui donne de tels droits de chacun de faire ce qu'il veut. Si une personne veut venir dans l'islam, il a le libre choix. Et j'aimerais aussi revenir un peu à la période mécoise. Parce qu'on parle beaucoup de la liberté d'expression, la liberté de religion. Aujourd'hui, surtout avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Quand on parle du premier verset qui a été révélé, dans lequel Dieu stipule la permission aux musulmans de prendre les armes. Quand on regarde ce verset, on voit que les musulmans, à la période mécoise, ils n'avaient plus le droit ils n'avaient pas de liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de religion. Donc à ce moment de l'époque de l'histoire de l'islam, Dieu ordonne aux musulmans, écoutez, vous allez migrer. Et c'est à ce moment-là qu'il donne la permission de se battre. Et dans le verset stipule que si la permission de se battre n'aurait pas été donnée, il n'y aura plus de synagogue, de cloître et des mosquées. Donc ce verset ou cette permission de se battre était aussi une permission qui était donnée pour défendre la liberté d'expression, la liberté de religion. Et c'était pour ça. Donc le Saint-Prophète, il n'était pas seulement venu pour propager le message de l'islam, il était aussi venu pour amener la paix chez les gens. Et l'un des moyens d'amener cette paix, c'était aussi de donner aux gens la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de conscience. Et c'est ce que le Saint-Prophète a fait. Par exemple, les Juifs avaient aussi signé ce pacte de Médine. Mais il y a plusieurs incidents dans lesquels les Juifs n'ont pas été conformes à ce pacte. Et ils avaient fait des promesses, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et les Juifs, quand on lit l'histoire, ils savaient aussi qu'ils méritaient des punitions assez graves. Mais le Saint-Prophète, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « je vous ordonne de partir, de quitter le pays ». Et quand on regarde, quand on lit l'histoire, on voit aussi que de quitter un pays, c'était même pas une punition à l'époque, parce que c'était leur coutume de voyager où ils trouvaient l'eau. Ils étaient assez nomades. Donc ils voyageaient, donc c'était même pas une punition. Donc les Saint-Prophètes allaient maintes fois leur voir que, écoutez, on a signé ce pacte, il faut vraiment que vous relisez ce pacte, il faut réfléchir, etc. Mais il est parti maintes fois, et ce qu'il leur a donné, il a dit, écoutez, quittez le pays. Et les Juifs, ils l'ont même accepté, ils ont dit, ils le savaient aussi. Par exemple, quand on lit dans les hadiths, les Juifs déclaraient également que oui, on est en tort. Et c'est pour ça qu'ils ont même pas demandé de poser la question, ils sont partis directement. Donc la dictature, quand on parle de dictature, il n'y a même pas de question. Chacun avait son droit. Et comme on l'avait déjà mentionné dans une émission précédente, que quelquefois les Juifs eux-mêmes voulaient qu'ils soient jugés en fonction du corps du Saint-Coran. Donc la dictature, il n'y a pas de question de dictature. Les gens, ils avaient la liberté d'expression, la liberté de religion, et donc le libre choix. Et c'est vrai que c'est assez, encore une fois, c'est assez intéressant, assez actuel, parce que vos propos rejoignent tout à fait l'actualité, parce que on a une tendance à dire que dans les pays musulmans, la liberté de religion est impossible, mais dû au comportement parfois de certains soi-disant musulmans qui
assassinent à tour de bras les minorités, etc. Mais on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission. Mais c'est ce point, en fait, sur la table que vous mettez, en disant qu'il y a eu ce traité de Médine, que ce traité de Médine constitue sûrement une des premières constitutions dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde se réclame d'avoir des constitutions, de dire, voilà, on est établi, on a créé une démocratie, etc. Mais regardons peut-être, soyons sincères intellectuellement un instant. Et disons-nous que peut-être, dans l'islam, comme il y a eu, vous savez, on a tendance à dire les arts, les mathématiques, etc., viennent de l'islam, etc., par des raisonnements extensifs. Mais soyons également sincères qu'une fois que le système politique qui a été mis en place à l'époque du prophète de l'islam respectait les volontés de chacun, respectait la tolérance, respectait les lois de chacun et permettait à tout le monde de vivre paisiblement. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le prophète de l'islam n'était pas simplement le garant de l'islam, il est devenu le garant de toutes les religions en règle générale. Et ça, enfin, ce serait malhonnête intellectuellement que de ne pas le reconnaître. Pardon. Et c'est aussi, je voudrais aussi revenir sur la question de la charia. On parle toujours de la charia, que le soi-disant al-Baghdadi veut mettre la charia en vigueur partout dans le monde. C'était quoi la charia? La première constitution, comme on voulait dire, la charte de Médine, c'était ça la charia. La première, et c'était le chef d'État, c'était qui? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, soit il faut suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui met en place la charia où il donne le droit à tout le monde, à tout un chacun, de vivre comme il veut, qu'il est libre, il a le libre choix de choisir sa religion, il a la liberté d'expression. Et donc, c'est ça la charia, c'est vraiment une loi qui donne les droits, les libertés à chacun. Le problème, Nabil Saheb, enfin, vous en conviendrez avec moi, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans, comme je le disais en introduction, et que je parle sous votre contrôle, je pense que les musulmans aujourd'hui sont en quête d'un leader. Ça, c'est certain. Mais ce leader, ce n'est pas le leader qu'ils recherchent, parce qu'eux cherchent un leader politique. Mais les musulmans, ce que on leur a promis, c'est un leader spirituel et pas un leader politique. Et ce leader spirituel, l'Ahmadiyya le clame depuis des années. Et c'est le seul aujourd'hui à avoir cet office, c'est Hazrat Mezarullah Mehmed, qui a dit que je suis le Messie qui était attendu, je suis le Mahdi qui était attendu, regardez à travers mes yeux le vrai saint prophète, et à ce moment-là, vous verrez vraiment la stature et la majesté du saint prophète. À ce moment-là, peut-être qu'on retrouvera ce que l'on entend par charia. Peut-être qu'à ce moment-là, on retrouvera également ce que l'on entend par le vrai islam, par l'islam tel qu'il était vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tel qu'aujourd'hui on peut le vivre, comment on peut affronter la modernité grâce à l'islam. Il n'y a pas besoin d'aller réformer l'islam ou d'aller changer totalement le Coran, d'amputer une partie. Le Messie promis vous a dit clairement qu'avec le Coran tel que vous avez tous les jours devant vous, je vous prouve que l'on peut affronter la modernité. Je vous prouve que le saint prophète de l'islam était le plus grand homme que l'humanité ait connu. Je pense que c'est ça, en fait, que les musulmans ont du mal à comprendre. Ils sont constamment dans des divisions sectaires, en train de dire lui, il est non-musulman, lui, il est musulman, lui. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils cherchent un leader. Et ce leader, si on peut faire un appel aux musulmans, c'est qu'il n'est pas politique. Arrêtez de le rechercher dans la politique, arrêtez de le rechercher dans les califats politiques. Peut-être qu'il faudrait se poser la bonne question. Ça veut dire que pourquoi on ne regarde pas du côté d'un califat qui est établi depuis 100 ans, qui est aujourd'hui dirigé par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui est la deuxième manifestation divine telle qu'on l'a vue dans plusieurs précédentes émissions, qui fonctionne, qui amène la paix et qui contribue à la véritable image de l'islam et qui construit aujourd'hui l'édifice de l'islam. Je pense que c'est ces questions-là qu'il faut se poser après. En fait, ce que je pense, c'est que nombre de musulmans et des non-musulmans, on mélange les deux choses, la politique, le temporel, le spirituel dans la vie du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Eh bien, le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était bien malgré lui qu'il a dû endosser ce rôle de chef d'État. Lui, il s'était dit prophète depuis le début jusqu'à la fin. Depuis sa première parole jusqu'à sa dernière parole, c'est ça qu'il avait, lors du sermon d'adieu, et en s'adressant à tous les musulmans, c'était ça son dernier testament, en s'adressant aux musulmans. Il leur a dit, est-ce que je vous ai transmis le message de Dieu?
C'était ça, sa mission. C'était de transmettre le message de Dieu. Donc il faut cesser de voir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, comme un homme politique. On avait déjà dit auparavant. Il a dû endosser ce rôle vers la fin de sa vie parce que les circonstances le demandaient. Il y avait ce vide. Et il nous a montré comment se comporter vis-à-vis des non-musulmans, vis-à-vis des autres, des hypocrites, des apostats. Donc il est essentiel de comprendre que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était venu. Le royaume qu'il était venu établir sur terre, c'était un royaume spirituel. Et le califat, il a été promis à ceux qui, dans la sourate An-Nur, le califat a été promis à ceux qui croient en Dieu et qui accomplissent de bonnes œuvres. Voilà les deux seules conditions, de croire et d'accomplir de bonnes œuvres. Et elle a déclaré, la yastakhlifa nahum fil ard. C'est si vous croyez, vous accomplissez de bonnes œuvres, c'est là que vous allez mériter ce titre, c'est là que vous allez mériter cette faveur qu'est le califat, qu'est le leadership. Encore une fois, le verset que nous sommes à réciter, que Dieu a promis à ceux d'entre vous qui croient, qui font de bonnes œuvres. Aujourd'hui, on parle de califat. Donc, ce verset parle de la promesse du califat. Est-ce que vous voyez aujourd'hui ce califat, ce soi-disant Daesh, en train de faire des bonnes œuvres? Tout ce qu'ils font, c'est contre le Saint-Coran. Donc c'est vrai, les mots, le calife, encore une fois, les mots aujourd'hui qui sont utilisés dans les médias, quoi, le calife, le djihad, etc. Ces mots, ce vocabulaire aussi, il faut aussi le travailler un peu et de vraiment voir ce qu'il y a en face. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend le mot calife, pour nous, en tant qu'Ahmadi, ça nous blesse beaucoup. Parce qu'on a ce calife. Par exemple, aujourd'hui, c'est quoi le problème du monde? On a l'extrémisme, on a des jeunes qui vont, des jeunes musulmans qui vont se battre à la Syrie. On va entendre parler des musulmans qui sont possédés par des djinns. Mais est-ce que, dans l'Ahmadiyyat, est-ce que vous avez déjà vu ça? Un Ahmadi qui se possède par un djinn. On n'a jamais entendu ça. Est-ce qu'un Ahmadi est parti se battre à la Syrie? Non. Donc cette communauté aujourd'hui est la communauté qui est en train de se propager le plus rapidement. Et on voit vraiment que cette communauté, elle amène vraiment à la paix. C'est vraiment ce que le verset du Saint-Coran qui dit que le califat, le vrai califat, il va vous faire sortir de la terreur. Il va vous amener vers la paix. Est-ce qu'on voit aujourd'hui à l'Ahmadiyyat par la grâce de Dieu? Oui, et puis il faudrait que les musulmans arrêtent de penser également que l'on fait du prosélytisme agressif, c'est-à-dire que l'on essaye de les attirer. On s'en fiche de ça. Nous, ce qui nous peine le plus, c'est l'état dans lequel le monde musulman est. Et je crois que le quatrième calife de l'Ahmadiyya, Hazrat Ali Fatou Masih Rabbe, il avait très clairement dit. Il avait dit peut-être que ça nous peine même plus que les musulmans eux-mêmes, en fait, parce qu'on voit cet état de nos yeux. Et on voit à la lumière de ce que le Messie promis a apporté. Et en fait, ce que l'on veut faire passer comme message, c'est pas de rejoindre la communauté Ahmadiyya, etc. Parce que rejoindre la communauté Ahmadiyya aveuglement, ça nous sert à rien, en fait. Ce que l'on veut faire passer comme message, c'est prier. Prier pour l'islam d'abord, et puis prier pour vous-même. Parce que s'il y a une promesse de califat, ça veut dire qu'il est bien quelque part. Et s'il est quelque part, et qu'il doit nous amener vers la paix, il est où? Et normalement, Allah qui écoute, et si vous faites des bonnes œuvres, et si vous avez des intentions qui sont pures, vos prières seront écoutées. Inch'Allah, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour nous. Comme le hadith qui mentionne que celui qui marche vers moi, Dieu courra vers lui. Exactement. Donc voilà, ce n'est pas du prosélytisme, c'est simplement pour vous appeler à prier pour vous-même, pour l'état dans lequel on est, l'état spirituel. Parce qu'on a besoin, à un moment donné, de se dire que le leadership est promis, on attend que ça. Aujourd'hui, voilà, le monde musulman est dans l'état qu'il est. Ce n'est pas possible que Dieu l'ait abandonné. Voilà. On va continuer, peut-être, on a un peu dévié avec cette passion qui nous gagne toujours, mais est-ce que Qayyum Saab, c'est une légende ou une réalité, le fait que les musulmans auraient organisé des razzias, auraient complètement dilapidé des innocents marchands ambulants pendant les guerres et les musulmans seraient les pires des guerriers et des voleurs, en quelque sorte, de l'histoire. Est-ce que c'est vrai, tout cela? Eh bien, Nabil Saab a bien expliqué, je crois, tout à l'heure, que les musulmans, vous avez bien dit aussi, que les musulmans ont été persécutés pendant 13 ans à la Mecque. Une persécution très âpre, au cours de laquelle nombre de musulmans ont perdu la vie. Eh bien, en contre-cœur, les musulmans de la Mecque, face à cette persécution, ont dû quitter la Mecque pour aller jusqu'à Médine. Certains sont partis jusqu'en Abyssinie parce que la situation était tellement difficile.
Eh bien, ils sont partis à Médine tout simplement pour trouver la paix. Au moins, ils pouvaient souffler là-bas, malgré, en dépit du fait que ces musulmans de la Mecque avaient quitté leur région. Leur cœur était déchiré, le cœur du saint prophète Mohammed, peace be upon him, était déchiré. Son cœur était en larmes lorsqu'il a abandonné Médine, sa patrie, la Mecque plutôt, sa patrie, pour partir jusqu'à Médine. Mais à Médine, ils ont trouvé la paix, une paix relative. Mais Médine se trouvait sur une route caravanière et les Mécois, les gens de la Mecque, ils étaient de grands commerçants, ils envoyaient des caravanes pour passer dans ces régions. Et nombre de ces caravanes, ils les utilisaient tout simplement pour attiser, pour fomenter les troubles. Par exemple, pour soulever les tribus qui étaient alentour de Médine, pour les soulever contre les musulmans. Donc voilà une des méthodes qu'ils utilisaient, c'était une façon de faire de la propagande, quoi, de ces caravanes qui passaient et qui, pour attiser les gens, pour soulever les musulmans qui étaient en Médine. Et les musulmans devaient vivre sur la défensive, parce qu'ils vivaient, ils avaient toujours peur, parce qu'il y avait ces caravanes, des grosses caravanes qui passaient, ils ne savaient pas s'ils pouvaient dévier pour aller s'attaquer à eux. Et le saint prophète, Mohammed, lui, il avait aussi reçu nombre de messages des gens de la Mecque qu'il y a une attaque qui se prépare, il y a toujours cet état de guerre. Donc, les pauvres musulmans qui croyaient qu'ils seraient en paix à Médine se sont retrouvés dans cet état de peur constante. Et comme je vous ai dit auparavant, je crois que j'avais dit dans cette émission auparavant, c'est que les musulmans de Médine, eux, ceux qui étaient résidents à Médine, ce n'étaient pas des guerriers, c'était des fermiers qui ne maîtrisaient pas l'art de la guerre. Et donc, voilà l'état des musulmans, l'état d'esprit. Pour résumer l'état d'esprit, il y a un verset du Saint-Coran où Allah Ta'ala déclare « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum. » Il vous est ordonné de combattre, bien que cela vous répugne. Dieu demande aux musulmans que vous allez devoir prendre les armes, mais il se peut que cela vous répugne, que cela vous n'êtes pas intéressé à vous battre, que vous croyez que c'est trop difficile. Mais Dieu vous dit que voilà, vous allez devoir prendre les armes un de ces jours, tout simplement pour vous défendre, pour défendre la liberté d'expression, comme on avait dit auparavant. Mais comment s'est comporté le saint prophète Mohammed Pessoa? Pour citer un exemple, on parle de Radia. Un jour, le saint prophète est parti avec des musulmans en expédition, et ces musulmans avaient, le saint prophète s'était absenté, et ces musulmans mouraient de faim, littéralement. Et ils ont trouvé quelques chèvres qui appartenaient à un nomade qui passait par là. Et ils ont volé ces chèvres, ils les ont égorgés, ils ont mis dans la marmite, ils commençaient à cuire pour le manger. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est retourné. Il a vu que il a demandé c'est quoi ça? Où est-ce que vous avez trouvé de la viande, quoi? Et ses compagnons ont dit mais nous avions faim, nous avons très très faim, nous ne savons pas quoi faire, nous avons trouvé ces chèvres, c'est apporté à quelqu'un, eh bien nous avons égorgé, nous avons mangé. Et le saint prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé cette marmite. Il a dit, piller quelqu'un, le pillage, c'est pire que de manger des charognes. Alors, peut-on dire du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'il a encouragé les musulmans à faire des radia? Dans un hadith, il a aussi dit aux musulmans que vous devez accomplir le djihad pour la cause d'Allah. Vous ne devez pas combattre tout simplement pour spolier les biens d'autrui, pour tromper les hommes, pour créer le désordre sur la terre. Voilà en somme les raisons, voilà en somme comment s'est comporté le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. En ce qui concerne ces caravanes, eh bien, comme je vous ai dit, ces caravanes, eh bien, les gens de la Mecque les envoyaient pour attiser la haine contre les musulmans. Ils passaient tout près de Médine, comme je vous ai dit, ils étaient armés. Et ils utilisaient aussi ces caravanes pour financer leur campagne qu'ils préparaient contre les musulmans. Donc c'était un état de guerre. Et aujourd'hui, pour un rien, les grandes puissances, ils imposent des embargos sur certains États avec lesquels ils ne sont pas d'accord. On a vu dans l'histoire récente, au cours de ces deux dernières décennies, on avait imposé des embargos sur l'Irak, par exemple. Il y avait cet embargo, il y avait le pétrole contre nourriture, ce qu'ils disaient. L'Irak devait vendre du pétrole pour avoir de la nourriture. L'Irak ne pouvait pas vendre du pétrole à l'extérieur, ne pouvait pas faire des profits. Donc, l'embargo financier, c'est un moyen qui a été utilisé, qui est utilisé aussi. Et le saint prophète a aussi dû utiliser cette tactique militaire tout simplement pour contraindre les gens de la Mecque pour qu'ils acceptent de venir sur la table des négociations, pour qu'ils comprennent que voilà, il ne faut pas qu'ils commencent à fomenter des troupes. Parce que comme je vous ai dit, le saint prophète savait qu'il y avait des campagnes qui étaient menées contre les musulmans. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a plusieurs versets qui parlent de ces plans qui avaient été faits contre les musulmans
justement, peut-être à cette époque, je ne sais pas, franchement, je parle un peu sous votre contrôle là du coup, mais à ce moment où Dieu dit dans le Saint-Coran, il me semble qu'ils font des plans, et bien assurément, nous aussi, nous préparons des plans. Enfin, je ne sais pas si je le cite correctement, mais en tout cas, ces choses-là sont également indiquées dans le Saint-Coran, donc on peut inviter nos téléspectateurs à aller lire les versets correspondants. Peut-être Nabil Saheb, vous voulez ajouter quelque chose ? Un verset qui parle vraiment de sujet clairement. Donc le Saint-Coran l'a dit, vous ne devez pas convoiter la richesse des autres. Donc ce verset, vous n'avez même pas, si quelqu'un il est riche, ben, c'est, il lui dit, vous ne devez pas convoiter la richesse des autres. Et cela en soi est un principe en or pour la paix du monde. Si l'on suivait uniquement ce commandement, il ne serait jamais en question qu'un musulman s'approprie de la terre, des non-musulmans ou de qui que ce soit. Donc ce verset il est vraiment clair. Oui, et puis... C'est vrai que les Ahmadis, les musulmans Ahmadis qui ont la chance d'avoir le califat, on nous rappelle constamment qu'on n'est pas intéressé par avoir des terres, des territoires, etc. Si on est intéressé par quelque chose, c'est vraiment que la majesté du prophète de l'islam, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rayonne à travers le monde. Qu'il soit vraiment vu pour ce qu'il était réellement, ça nous suffit largement. Pour nous, c'est avoir toutes les conquêtes du monde. Donc, en fait, ces radias, comme vous l'avez montré, hein, vous l'avez démontré, que c'est des histoires, en fait, c'est des fabulations que l'histoire a créées, peut-être, que l'on a bien voulu monter à l'égard des musulmans, ou que peut-être qui se sont faites à une période, mais pas à l'époque du prophète de l'islam, qui se sont faites peut-être dans une période postérieure, où il y a eu des monarchies, il y a eu des tyrannies, il y a eu les musulmans qui se sont un peu déviés, etc. Mais... En tout cas, pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, porter cette allégation contre l'islam est totalement erroné. Jacques, pour vos réponses combinées, je continue toujours dans le cadre la notion de guerre et de musulmans. Et même si on aimerait vraiment aborder des choses un peu plus sympathiques, quoi. Mais les Arabes à l'époque, donc les Arabes polythéistes, hein, on parle des Arabes sous l'ère du prophète de l'islam, avaient un code. On pourrait penser que c'est un code de l'honneur, une sorte de code de l'honneur, qui était un code de guerre. C'est-à-dire que on devait respecter un certain nombre de règles pour se faire la guerre. Alors, on aurait dit que le saint prophète Mohammed aurait violé toutes ces règles-là, mais déjà, on peut voir un élément de réponse dans ce que vous avez dit, c'est que la guerre est nécessairement défensive. Donc, plus respectueux que ça, je pense que déjà, c'est difficile de faire. Mais peut-être que vous pourriez nous éclairer un peu plus sur ça. Je vais tout d'abord mentionner un des écrits du professeur John Hopkins Denison. Et ce qu'il déclare de l'époque, de comment étaient les Arabes avant à l'arrivée des musulmans. Donc il décrit que le monde civilisé était au bord du chaos. Il dit également que c'était une époque tragique où la civilisation, tel un arbre gigantesque dont le feuillage s'était étendu au-dessus du monde et dont les branches avaient porté les fruits dorés des arts, des sciences et de la littérature, chancelait maintenant sur son tronc pourri. Donc, la situation des Arabes à l'époque avant l'islam, donc quand on dit que c'était on a violé, le Saint-Salam a violé le code de guerre chevaleresque des Arabes, il faut aussi prendre en compte qu'il ne faut pas oublier la guerre de Bassous. C'était quoi la guerre de Bassous? C'était, et c'est même un peu comique également, c'est qu'un Arabe a dit qu'il y avait un nid d'oiseaux. Et il a dit à ce nid d'oiseaux, il y avait deux œufs d'oiseaux. Il a dit que, à partir de maintenant, tu es sous ma protection. Un chameau est arrivé dans le jardin. Et à cause de ce chameau, les œufs sont cassés. Pendant des années, ces deux groupes, donc à la personne à qui la chamelle, et... ils sont guerroyés pendant des années. Donc si on appelle ça le code de guerre chevaleresque des Arabes, eh bien les personnes qui accusent vraiment l'islam de faire ça, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas lu l'histoire. Et également, il faut savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la guerre de Uhud, ce qui s'est passé, c'est que Hinda, donc qui voulait impérativement tuer Hamza, qui était l'oncle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la guerre, le Saint-Prophète est parti le chercher où il était. Quand il est parti le voir, il a vu que il avait arraché son foie, son cœur. Hinda, donc elle avait arraché son cœur.
Donc le corps de son de l'oncle Sallallahu alayhi wa sallam était mutilé. Et donc Abu Sufyan, qui était l'un des chefs des musulmans, il arrive, il a dit que ça ne me satisfait pas et je n'ai ni interdit de mutiler vos cadavres et je m'en soucie guère. Et quand les compagnons du Sallallahu alayhi wa sallam ont entendu cela, ils ont dit au prophète de Dieu, ils étaient vraiment énervés. Et le Sallallahu alayhi wa sallam était vraiment attristé de voir l'état du corps de son oncle, comme ça. Il était désemparé. Mais le Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux musulmans que vous ne devez pas commettre, vous ne dites rien et ne vous souciez pas de ce que ces gens disent. Parce que quand ils ont mutilé le corps, ils ont commencé à dire des regardez, on a fait ça, etc. Donc le Saint-François, il a dit, il faut que vous patientez. Et je vais aussi vous mentionner des vraiment. Donc quand on parle, j'ai choisi des récits de califes afin de vraiment prouver c'est quoi un calife. Donc, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qu'est-ce que lui il a dit à propos de. Donc il a rappelé aux musulmans, après la mort du Saint-Prophète, il rappelait le code de guerre que le Saint-Prophète avait mentionné. Donc il dit aux gens, je présente devant vous 10 règles, apprenez-les bien. Ces règles doivent être respectées sur le champ de bataille. Donc il dit, ne commettez pas de trahison, ne vous écartez pas du droit chemin, vous ne devez pas mutiler les cadavres, ne tuez pas d'enfants, pas de femmes, pas dommagés, n'apportez aucun mal aux arbres. Il ne faut pas non plus les brûler, en particulier ceux qui sont fructueux. Ne tuez pas le troupeau de l'ennemi, sauf pour votre nourriture. Donc, ça, c'était les codes de guerre qui ont été présentés par le Saint-Prophète. À de tels gens, comme j'ai mentionné, que la guerre de Bassous. Donc, c'était vraiment des personnes qui étaient. Qui se chamaillaient pour rien du tout. Et encore une fois, il y a des versets du Coran qui mentionnent ces principes de guerre. Quels sont ces versets ? Je vais en mentionner quelques-uns. Donc chapitre 16, verset 127, Allah le Tout-Puissant ordonne aux musulmans de ne pas dépasser les limites ou de transgresser pendant la guerre. Allah dit que toute punition doit être équivalente au tort enduré. Chapitre 9, verset 4, le Saint-Coran stipule que si les idolâtres ne sont pas montrés agressifs et demandent et ont respecté les termes de leurs engagements, alors les musulmans doivent respecter tous leurs pactes qu'ils ont fait avec eux. Si, après il y a un autre verset qui dit que si, donc comme le verset que j'avais, il y a un verset dans le Coran qui dit que le musulman n'a même pas le droit de commencer une guerre. Il prend les armes quand on l'attaque. Donc quand le parti adverse qui a commencé la guerre vous demande la réconciliation, vous demande la paix, et bien vous êtes obligé de lui donner la paix. Donc ça ce sont les principes de guerre que le Saint-Prophète et le Saint-Coran stipulent. Et donc on voit vraiment que de vraiment dire que le code chevaleresque des Arabes avant l'islam, c'est vraiment, je ne sais pas d'où la personne a vraiment trouvé la question, et il faut vraiment y aller de l'avant. Parce que, comme j'ai dit, que le professeur John Hopkins Denison a vraiment dit que l'arabe, la société, quand on parle de la société, ou même pas une société, je veux dire, les arabes avant l'islam, ils étaient vraiment très loin. De la civilisation. Et donc, mais c'est pour ça aussi qu'on dit que le Saint-Prophète, Salam, il a. D'abord, il a changé l'état de ces personnes de bêtes sauvages à un être humain. Non seulement il a fait ça, mais il a également donné à ces êtres humains des standards d'une telle qualité qu'ils peuvent affronter toutes les époques, quoi. Et c'est ça qui est assez incroyable dans ce que le prophète de l'islam a fait. Et je crois que c'est rappelé par plusieurs grandes personnalités que l'on considère en tout cas comme grandes personnalités. Il y a, il me semble, celui qui me vient en tête tout de suite, c'est Gandhi, et qui avait dit également que c'est impossible, quand on lit la vie du prophète de l'islam, il est impossible de dire que ça s'est répandu par l'épée. Mais c'est par son amour, sa tolérance, sa grandeur et sa majesté que ça s'est répandu. Et c'est exactement ça. Donc, disons que là, je code chevaleresque qui n'est pas si chevaleresque que ça au final. Une question que j'adresse, peut-être une thématique plutôt que question, j'adresse à Qayyum Saheb. Juste avant, pardon Qayyum Saheb, mais je profite pour dire à nos téléspectateurs ce que je n'ai pas fait, de ne pas hésiter de nous écrire leurs questions à horizon@mta.tv, de nous suivre sur Twitter, sur Facebook, d'aller visiter le site internet www.islam-ahmadiyya.org, ou encore de
regarder certaines émissions qui peuvent réécouter ou regarder de nouveau sur notre chaîne YouTube. Ceci étant dit, donc je m'adresse à vous par rapport à cette nouvelle thématique. Alors, c'est une thématique plus précise, parce qu'on dit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait massacré à dessein l'armée Quraishite à Badr au cours de la première bataille de l'islam, où les musulmans étaient numériquement inférieurs et on avait des non-musulmans qui étaient par milliers. Vous avez bien répondu à la question, quoi. La question, c'est vous qui l'avez répondu. Alors, comment dire que à 3 contre 1, les musulmans qui étaient à 1 et les autres, ils étaient à 3, ils ont massacré. Massacré, c'est quand vous décimez toute l'armée. Eh bien, sachez que les musulmans, ils étaient à 313 lors de cette première bataille. Ils étaient venus presque à contre-cœur dans cette bataille. Ils n'étaient même pas armés. Certains avaient des épées qui étaient en bois. Les musulmans, ils n'avaient que 2 chevaux dans cette bataille. Et ceux d'en face, ils avaient 100 chevaux. C'était des soldats aguerris, ceux qui étaient en face. Ce n'étaient pas des fermiers qui ne savaient pas se battre. C'était des gens qui s'étaient battus, qui étaient armés jusqu'aux dents, qui avaient des chameaux, qui étaient venus pour en découdre avec les musulmans. Eh bien, quelle était l'issue de cette bataille? On peut dire, quelle était la raison de cette bataille? Eh bien, le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, avant que ne commencent les hostilités, il était dans sa tente en train d'implorer Dieu, et il était en larmes, à tel point que son calife, le premier calife, son compagnon bien-aimé, Abou Bakr, lui a dit: mais est-ce que Dieu ne t'a pas promis qu'on aura la victoire? Et qu'est-ce que le saint prophète disait dans sa prière en s'adressant au saint prophète? Il disait que si ces musulmans, ces 313 musulmans meurent aujourd'hui, eh bien sur terre, il n'y aura personne qui va t'adorer, ô mon Seigneur. Voilà ce qu'avait dit le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, la raison de cette bataille, c'était pour qu'il y ait des gens pour qu'ils adorent Dieu. Et est-ce que les musulmans ont massacré à dessein, comme vous avez dit, ces 1000 soldats? Eh bien, comment imaginer cela? C'est vrai qu'il y a eu des pertes. Les musulmans, 14 musulmans ont été tués lors de cette bataille, et 70 Mécois ont été tués. Ben, ils étaient venus se battre, et eh bien l'issue était incertaine, et les musulmans ont remporté la victoire. Et comme l'avait dit Nabil Saheb, que les musulmans, ils n'ont pas commis ces exactions qu'on commettait, ils n'ont pas mutilé les corps. Le saint prophète avait interdit de mutiler les corps. Eh bien, voyons un peu comment ces prisonniers, il y avait 70 prisonniers musulmans, Mécois, qui ont été faits prisonniers par les musulmans. Un de ces prisonniers a dit plus tard, il a témoigné, il a dit: béni soient les gens de Médine, soient ces musulmans de Médine, ils nous faisaient monter à cheval alors qu'eux, ils marchaient à pied. Voilà comment les prisonniers étaient traités. Les prisonniers étaient à cheval, les musulmans étaient à pied. Ils disaient, ils nous donnaient du pain à manger alors qu'eux, ils se contentaient des dattes. Voilà comment ils se sont comportés, ces musulmans, à l'égard de ces prisonniers. Alors qu'à l'époque, on parlait des règles de la guerre avant le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, bien, ceux qui étaient faits prisonniers, ils étaient réduits à l'esclavage. Ou soit ils étaient tués, ils étaient mutilés, les femmes étaient réduites à l'esclavage, les hommes aussi. Eh bien, le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, il a tout fait pour que les prisonniers soient libérés. Il a dit que ceux qui avaient les moyens, ils devaient payer une rançon. Ceux qui avaient des moyens. Ceux qui n'avaient pas des moyens de payer une rançon, eh bien, s'ils savaient lire et écrire, quelle était leur rançon? C'était enseigner à lire et à écrire à 10 enfants musulmans. C'était ça leur rançon. Et ceux qui n'avaient pas du tout les moyens, eh bien, ils étaient libérés. Et nombre de ceux qui étaient prisonniers à l'époque de Badr, eh bien, plus tard, en voyant le comportement des musulmans, quand ils sont partis à la Mecque, eh bien, plus tard, ils ont accepté l'islam, rien qu'en voyant comment s'était comporté le saint prophète et ses compagnons. Et comme je vous ai dit, Dieu a encouragé les musulmans à bien traiter ses prisonniers. Dans un verset de la sourate, dans un verset, Allah déclare que ces musulmans, ils ont dit, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shakura. Nous vous nourrissons, nous vous donnons à manger uniquement pour le plaisir d'Allah. Nous ne désirons de votre part ni récompense, ni remerciement. Voilà donc l'esprit qu'avait insufflé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses compagnons, ceux qui étaient imbus d'une si grande humanité,
Et on ne peut pas en dire de même de la façon dont on a traité au cours de ces dernières décennies les prisonniers de guerre, que ce soit à Guantanamo, que ce soit ailleurs, où, on a, où les gens étaient emprisonnés sans procès, ou que ce soit au cours de la Deuxième Guerre mondiale ou ailleurs. Eh bien, voyez un peu l'humanité qu'a fait naître le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en ces personnes. Comme vous avez dit, le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il avait déclaré que le plus grand miracle qu'a accompli le saint prophète, c'est qu'il a fait sortir ces gens qui étaient dans la barbarie pour en faire des hommes, et de ces hommes, il en a fait des êtres spirituels, des hommes de Dieu. Jazakallah pour cette réponse, je pense qu'il n'y a rien besoin d'ajouter après cela. Et Nabil Saheb, je vous adresse la prochaine thématique qui est celle de savoir si le saint prophète Mohammed Sassam aurait rejeté les efforts des Mécois. Ça nous fait sourire parce que ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'islam se disent quand même les efforts des Mécois pour apporter la paix, il faut vraiment aller les chercher parce que c'est assez compliqué de voir dans l'histoire de l'islam, en tout cas, la volonté des Mécois. Mais en tout cas, certaines mauvaises langues sûrement disent que le saint prophète Mohammed Sassam aurait rejeté ces efforts-là. Est-ce que c'est vrai? Je vais dire vraiment clairement dire que non, c'est pas vrai. Et les gens qui posent cette question souvent, ils font allusion à un incident qui s'est passé à la Mecque. Donc c'était lorsque le Saint-Antoine avait commencé à propager le message de l'islam. Donc comme il n'aimait pas y voir ce message islamique de Dieu, donc comme c'était tous des idolâtres, donc ils sont partis voir Abu Talib, qui était l'oncle de Saint-Salam. Donc Saint-Salam, c'était aussi son fils adoptif, on va dire. Et donc ils sont partis le voir. Donc les personnes qui posent cette question, donc ils disent que ces Mécois sont partis voir Abu Talib et lui ont proposé la paix, la réconciliation. Mais le Saint-Salam l'a nié complètement, il ne voulait pas. Il a dit que je propagerai le message de l'unicité de Dieu jusqu'à ce que je suis vivant. Tout d'abord, il faut voir que cette histoire, il n'y a aucune référence. Cet incident, il n'y a pas de référence dans le hadith ou même dans les livres d'histoire. Il n'y en a pas. Aucun événement de ce genre s'est déroulé. Et ce qui est étrange, c'est qu'on trouve des incidents qui sont contraires à cela. Donc on voit vraiment que c'était les Mécois en fait, qui voulaient assassiner le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est bien aussi, c'est que les personnes qui posent cette question, ils présentent Abu Talib comme une personne très respectueuse, parce qu'il n'avait pas accepté l'islam. Et donc, ils présentent Abu Talib comme avec un grand respect. Mais ils oublient que Abu Talib, lui-même, avant qu'il meure, il a dit, j'aimerais reprendre les mots qu'il a prononcés, il a dit, je vous recommande Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib dit, je vous recommande Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est véridique et possède toutes les vertus. Il a apporté une religion qui a été acceptée par les cœurs, mais les langues ont choisi de le nier à cause de la peur des railleries. J'observe que les faibles et les démunis de l'Arabie le soutiennent et croient en lui. Et il a également augmenté leur rang. Et à la fin, il dit aussi que si j'avais un peu plus de temps, j'aurais accepté l'islam. Donc la personne, donc ces gens, quand ils posent la question, quand ils disent qu'Abu Talib, c'est une personne très respectée, cette personne très respectée, avant de mourir, a vraiment confessé ça. Et aussi, il faut savoir que le Coran, qu'est-ce que le Coran dit? Est-ce que le Saint-Prophète peut agir en contradiction avec le Saint-Coran? Le Saint-Coran, dans le chapitre 8, verset 62, Allah le Tout-Puissant déclare que si les oppresseurs sont en faveur de la paix et font un geste de réconciliation, alors les musulmans doivent l'accepter et ne pas remettre en question leur sincérité. Donc, comme Aïcha radiallahu anha, elle a dit que le Saint-Prophète, c'est comme si c'est un Coran personnifié. Donc tout ce que le Saint-Prophète a fait, c'est en conforme avec le Saint-Coran. Et il faut aussi pas oublier le traité de paix de Hudaybiyah. Un traité de paix où les conditions du pacte de Hudaybiyah, c'était à l'époque, le Saint-Prophète avait vu un rêve. Donc qui fera le Umrah cette année. Le Saint-Prophète est parti avec ses compagnons, mais les Mécois l'ont stoppé. Et on a eu un pacte. Et ce pacte, toutes les conditions de ce pacte étaient contre les musulmans. Et comme le Saint-Salam admettait toutes les objections des Mécois, les compagnons s'agitaient, ils étaient agités, ils étaient énervés.
Et il se sentait humilié. Et l'excitation, l'excitation montait. Omar, radiallahu anhu, qui était le plus agité entre tous, s'avança vers le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit « Ô prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne sommes-nous pas dans le droit, dans le droit chemin ?» Le Saint-Prophète a répondu « Oui. » Omar continue « Nous sommes dans le droit, et Dieu ne nous a-t-il pas dit que nous ferions le circuit de la Kaaba cette année ?» demanda Omar, comme le rêve était qu'ils feront le circuit de la Kaaba la même année. Mais comme les conditions étaient que les musulmans reviendront l'année prochaine, Omar était très mécontent. Le Saint-Prophète lui dit, ô prophète de Dieu, le Saint-Prophète lui dit, donc il déclare que on est sur la bonne voie. Omar, il réplique encore, pourquoi cet accord? Et pourquoi ces termes humiliants? Donc, le Saint-Prophète, il est en train d'accepter ce traité de paix qui est vraiment contre eux. Et il y avait même une condition qui disait que si l'un des musulmans vient vers la Mecque, les Mécois ne rendront pas cette personne. Mais si un Mécois qui veut devenir musulman et qui va donc vers Médine, les musulmans devront redonner cette personne aux Mécois. Donc, telles étaient les conditions. Les compagnons du Saint-Prophète, ils étaient agités, et le Saint-Prophète, voilà le Saint-Prophète qui est en train de signer ce traité de paix, même si qui était contre les musulmans. Mais il faut savoir que ce traité de paix était très bénéfique pour les musulmans. Parce qu'on on accuse souvent que les musulmans se sont propagés à travers l'épée, ils ont prisonnier les gens, ils ont forcé les gens à se convertir dans l'islam. Ouais. Mais il faut savoir que ce traité de paix stipule aussi également que pendant 10 ans, il n'y aura pas de guerre. Donc, il n'y aura pas de guerre. Et ça dépend, comme je viens de dire, qu'il y avait 1500 sahabas. Et c'était à l'an 6, après l'Hégire. Seulement après 2 ans. Donc, il y a 13 ans de la Mecque, plus les 6 après l'Hégire. Seulement après 2 ans, à la conquête de la Mecque, les musulmans étaient 10 000. À une période où il n'y avait pas eu de guerre. Donc, encore une fois, c'est une preuve claire que les musulmans, que l'islam s'est propagé avec amour et compassion. Et c'était vraiment dans cette période où le Saint-Prophète a écrit des lettres au roi, etc. D'accord. Après qu'ils ont accepté. Donc voilà, la paix, quand on parle que le Saint-Prophète a rejeté la réconciliation des Mécois ou de quelque chose, c'est totalement faux. C'est des inventions. Aucune référence. Jazakallah, merci beaucoup pour votre réponse. On va passer aux questions des téléspectateurs, sinon ils vont vraiment nous bouder. Je vais prendre une question que l'on n'avait pas pu prendre la dernière fois, qui est celle, et nous nous excusons auprès de Daya, qui est, je ne sais pas, monsieur ou madame, en tout cas, Aya d'Algérie, que j'adresse à Atal Kayoub. Y a-t-il des versets abrogés dans le Saint-Coran, notamment par les versets de l'épée, sachant que le mot n'existe pas, celui de verset de l'épée, je pense, dans le Saint-Coran? Oui, cette question de l'abrogation des versets du Saint-Coran, ça a été, je crois, prise auparavant aussi. On avait aussi répondu à certaines de cette question du fameux verset de l'épée, parce que je crois que c'est le verset 5 du chapitre 9 du Saint-Coran que l'on cite à tort et à travers sur tous les forums, sur tous les commentaires, dans des articles sur le web. Eh bien, on ne fait que citer allez voir chapitre 9, verset 5, où l'on est en train de dire que voilà, il faut tuer, et quand les mois sacrés seront écoulés, eh bien, tuez les idolâtres, et où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, attendez-les au passage, à tous les affûts. Donc on dit que voilà, ça c'est un verset, il dit que voilà, il faut tuer tout le monde, quoi. Les musulmans, c'est ça leur but, c'est tuer et rien d'autre. Voilà leur tâche à eux. Pour revenir à la question de l'abrogation des versets du Saint-Coran, eh bien cette question de l'abrogation, eh bien malheureusement certains ulémas du Moyen-Âge, parce qu'ils ne comprenaient pas certains versets du Saint-Coran, eh bien ils se sont dit que pour résoudre certaines contradictions qu'ils voyaient entre les versets du Saint-Coran, eh bien, ils se sont dit que si certains versets qui étaient révélés dans le temps, après dans le temps, contredisaient des versets qui étaient révélés avant, eh bien, ces versets précédents étaient abrogés par les versets qui étaient révélés beaucoup plus tard. Donc, c'est là la question de ces versets abrogés, théorie de versets abrogés et abrogatoires. Donc, voilà d'où vient cela. Parce qu'ils pensent que voilà, ils n'arrivaient pas à résoudre des contradictions qu'ils voyaient dans le Saint-Coran. Alors que le Saint-Coran explique un principe très simple pour comprendre ces questions d'interprétation. Le Saint-Coran dit qu'il y a des versets qui sont muhkamat, qui sont très très clairs, qui sont sans ambiguïté, et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, des versets qui sont sujets à interprétation.
Et pour comprendre les versets qui sont sujets à l'interprétation, bien, vous devez vous tourner vers les sujets, versets qui sont clairs et sans ambiguïté. Si vous voyez quelques contradictions, c'est que c'est votre interprétation qui est mauvaise. C'est pas ces versets qui sont dans lesquels il y a des contradictions. Et ceux qui proposent cette théorie de l'abrogation, ils citent ce verset de la sourate Al-Baqarah. Je vais citer ce verset où il est dit « Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir » Quelque message, aya ici veut dire message, cela peut être interprété, ils interprètent cela comme verset, mais cela peut dire aussi message. Quelque message que nous abrogions ou que nous fassions oublier, eh bien nous en apportons un qui soit meilleur ou son équivalent. Si l'on regarde le contexte de ce verset, on va voir que précédemment, on est en train de mentionner les gens du livre, les juifs et les chrétiens, des écritures anciennes, parce que ces gens du livre croyaient que nous avons reçu une écriture de la part de Dieu et qu'il ne peut pas y avoir d'autres écritures. Mais Allah est en train de déclarer que nous pouvons abroger certaines écritures du passé. Nous pouvons les remplacer. Quand nous allons les remplacer, c'est par quelque chose qui soit similaire ou par quelque chose qui soit meilleur. Maintenant, si l'on dit que les versets de l'épée où l'on est en train de prôner la guerre sont en train de contredire ou abroger les versets qui ont été révélés auparavant qui prônent la paix, eh bien ces versets qui prônent la guerre, en quoi est-ce qu'ils ont apporté quelque chose de meilleur? Parce qu'il est dit ici, il faut qu'ils apportent quelque chose qui soit meilleur ou quelque chose qui soit équivalent. Est-ce que la guerre, est-ce que c'est meilleur que la paix? Voyez, est-ce que c'est équivalent? Donc on voit que toutes ces questions, c'est toujours une question d'interprétation, vous avez dit un peu de malhonnêteté intellectuelle, je veux dire de paresse intellectuelle, parce que les gens ne veulent pas réfléchir. Eh bien, ce fameux verset 5 du chapitre 9, dans lequel il est dit qu'il faut tuer les gens, eh bien, il faut comprendre le contexte. Les musulmans, ils avaient conclu un pacte avec les Mécois. Mais il est dit que voilà, si ces gens vont violer leur pacte, eh bien, c'est là que vous avez le droit de prendre les armes, parce qu'eux, ils ont violé leur pacte. Dans le verset précédent, ce verset 5, il est dit « Sauf ceux des idolâtres avec qui vous avez conclu un traité et qui n'ont failli aucunement dans l'accomplissement de leurs obligations et qui n'ont soutenu personne contre vous. » Il faut prendre les armes uniquement contre ceux qui ont pris les armes. Voilà la théorie que l'on a. Voilà la permission que l'on a en islam, c'est-à-dire de prendre les armes uniquement pour se défendre. Je pense que notre ami d'Algérie a eu sa réponse. Peut-être, vous voulez peut-être ajouter quelque chose Quand on parle des versets abrogés, il faut savoir qu'en tant que musulman, quand on parle des versets abrogés, pardon, si moi je parle, je peux par exemple changer mes propos. Je dis tel un jour, et après au fur et à mesure de ma vie, j'augmente ma connaissance et je dis mais Dieu, il connaît tout. Si on dit que voilà, Dieu change ses versets et il abroge des versets, ça veut dire que Dieu ne connaissait pas qu'à un moment, à l'époque... C'est remettre en cause, en fait, un des attributs divins. De divin. Donc c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des musulmans croient dans ce concept encore. Oui. Mais je pense encore une fois qu'on en revient toujours à la même chose. Je pense que c'est le manque crucial d'un juge qui devait venir... qui a fait son travail, mais que les musulmans ne reconnaissent pas. Et c'est aux musulmans de faire maintenant ce travail de fond, c'est-à-dire de réfléchir à où est ce juge, quand est-ce qu'il devait venir. Et je pense que les Ahmadis ont déjà apporté une réponse à cette question. Ils ont déjà établi l'édifice qu'il fallait établir, maintenant libre à tout le monde, puisque c'est la liberté de religion qui domine, de choisir ou pas le chemin qu'il souhaite. Je vais peut-être prendre une dernière question avant de conclure cette émission. Pardon. C'est une question de M. Idriss Koné de France, que l'on salue, qui nous écrit décidément beaucoup. Et d'ailleurs, on avait encore une question à prendre, qui était celle de Haït Mehdi Atman de France également, qu'on salue également, que je connais très bien, qui est un ami de Grenoble. On va s'excuser parce qu'on ne peut pas prendre toutes les questions, en tout cas pas cette fois-ci, mais on reprendra sa question lors d'une prochaine émission. En tout cas pour celle qui est de notre interrogateur pertinent et répétitif, qui est M. Idriss Koné, la question est
assez intéressante puisque elles font toujours sourire et c'est pourquoi il est interdit de marier deux sœurs. Et là, Nabil Saheb, je vous pose la question, mais si vous pouviez être synthétique en raison du manque du temps. Je vais essayer, bref, tout d'abord, je mentionnais un hadith, que c'est pas seulement deux sœurs qui sont interdites. Donc, dans Bukhari et Muslim, ce hadith est mentionné. Et Abu Hurayra rapporte que le messager d'Allah déclare qu'il ne faut pas se marier à une femme et sa tante paternelle, et une femme et sa tante maternelle. Donc, ce n'est pas seulement deux sœurs. Et il faut savoir que l'islam, la raison de l'interdiction de se marier avec deux sœurs en même temps, c'est que ce serait provoquer l'inimitié entre les proches. Par exemple, à chaque fois, il y a une rivalité entre les femmes, surtout. Maintenant, si deux sœurs se marient, il y aura sûrement une rivalité, et la relation familiale, pardon, de sœurs qu'elles ont, ça va se détériorer. Et c'est la raison vraiment pourquoi l'islam accentue sur les relations familiales. Et donc cela, si par exemple si deux sœurs se marient, il y aura la rivalité, et cela conduira à rompre les liens sacrés de la parenté. Et cette raison est également applicable dans le cas de mariage avec une femme et sa mère ou tante paternelle en même temps. Donc, c'est... Jazakallah, désolé pour cette réponse rapide, hein, et en tout cas, avant de se marier deux fois, hein, il faut se rappeler qu'il y a une condition de justice et d'égalité, et donc qui est renforcée lorsque ça concerne deux sœurs, puisque justement, on pourrait se retrouver avec des situations de tension familiale. Voilà, Kayoum Sab, non, c'est Zakola à tous les deux pour votre participation active et pour vos réponses. Je termine en vous rappelant que vous pouvez nous envoyer vos questions, comme Monsieur Aït Mehdi et comme Monsieur Koné, Idriss Koné, à horizon@mta.tv. Vous pouvez également visiter notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, puisqu'on a déjà répondu à pas mal de questions de téléspectateurs. Enfin, je vous dirai que lors de la conclusion de cette émission, on va vous passer un bref passage d'une réponse qui a été apportée par le cinquième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu lui vienne en aide pour toutes les tâches qu'il a à accomplir. Et ce discours a été prononcé lors du colloque ou de la conférence pour la paix qui est organisée chaque année par notre communauté. Et ce discours est une réponse forte et pertinente à l'extrémisme religieux qui aujourd'hui a une tendance à se développer. Et donc nous ne pouvons qu'inviter nos téléspectateurs à vraiment écouter avec attention ce message de force qu'a voulu faire passer le représentant de l'islam. Voilà, d'ici à la prochaine fois, en mon nom et au nom de mes invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If we look at the Holy Quran and also the life and character of the Prophet of Islam, the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, it becomes clear that the early Muslims never initiated any war or violence. If ever the Muslims took part in a war, it was purely defensive and their only objective was to stop the oppressors from their cruelty and never assert their own superiority or to resort to injustice. They never sought to occupy lands or nations or to subjugate the people. The life of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, bears witness to the fact that during the early years of his prophethood in the hometown of Mecca, he only ever sought to spread Muslims' teachings through love and affection. However, the Meccan people not only rejected him, but they treated him in the most cruel and merciless manner. He and his followers were brutally persecuted to the extent that under divine command, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, had to travel to leave Mecca and migrate to the city of Medina. But even after migration, the Meccans did not leave the Muslims alone, but instead traveled with a fully equipped army and waged war against the Muslims. It was then that for the first time on the command of Allah, the Muslims were given
permission to fight to defend themselves. The reason permission was granted is clearly stated in chapter 22, verse 40-41 of the Quran, where Allah says that permission for a defensive war was granted because if the Muslims did not defend themselves, then the peace of the entire world would be at risk.